Bonjour les amis contes, ici Angélique Barbry pour la chaîne Contes et Cookies. Je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire. Prêt pour ce voyage? Choisissez une position confortable. Détendez-vous. Fermez les yeux. Ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous conter un conte traditionnel chinois qui s'appelle Le renard et le tigre. Le tigre, ayant capturé un renard dans la forêt, voulut en faire son repas. Le renard, rusé, compère, lui dit sans sourciller: tu ne dois pas manger, je suis envoyé par l'empereur du ciel pour être roi chez les animaux. Il t'en cuira si tu désobéis aux ordres de l'empereur céleste. Vu la petite taille du renard, le tigre faisait peu de cas de ses vantardises. Le renard reprit: si tu doutes de mes paroles, mets-toi derrière moi, nous allons faire un tour dans la jungle. Tu verras comment les animaux seront frappés de terreur à ma vue. Le tigre y consentit. Les voilà partis. Le renard devant, le tigre derrière, suivant de près. À la vue du tigre, tous les animaux s'enfuient, pris de panique. Et se retournant alors vers le tigre, le renard lui dit d'un air triomphant: « Regarde, tous me craignent !» Et le tigre d'acquiescer: c'est exact, tu jouis d'un prestige incontestable. Dès qu'ils te voient, ils se sauvent tous. Ainsi se termine cette histoire qui, j'espère, vous aura plu. À très bientôt, les amis contes.